Salut à tous, donc on s'est arrêté juste après ma magnifique histoire sur les consoles portables hein. Et donc j'avais récupéré le trident, mais je raconte que de la merde. J'avais récupéré une partie du trident, une dent hein, quoi. Et maintenant rendez-vous tac. Merde, non, voilà, non plus, ici, voilà. Donc là, c'est parti pour Dale, hein. Donc on y va à 12h. Cap à 12h. Voilà. Ah bah, je vais continuer mon histoire, hein, du coup. Donc oui, voilà, c'était la mort de la... la Game Boy Advance. Donc il y a quasiment plus d'excellents jeux qui sortaient, mais j'ai dû en oublier pas mal hein, des jeux. Et d'ailleurs j'ai dit une grosse connerie puisque c'est pas la Game Boy Color ma première console portable. C'était une Game & Watch en fait. Une Game & Watch c'était des consoles pas comme la Game Boy Color justement, on insérait des cartouches. Il y avait, c'est une console un jeu quoi. Il n'y avait pas d'emplacement pour une cartouche. Il y avait le jeu directement. Avec. C'est, enfin, le jeu c'était la console quoi. Voilà. Là on va faire un petit truc. Voilà, donc j'ai une Game & Watch Mario. Donc c'est un petit Mario noir et blanc. Enfin, c'était assez sympa. Et alors là, on va faire un truc. C'est qu'on va. Déjà geler toutes ces flaques là. Donc je vous dis. Là en fait, pour continuer le jeu, c'est assez. C'est pas très linéaire justement. C'est juste en se baladant qu'on découvre tous ces trucs là. Je trouve ça quand même bizarre là. Comment on peut atteindre ça par ici? En fait elle sert à rien la troisième truc. Enfin bon. Donc oui voilà, donc après j'ai acheté... Ah mais si, mais putain je suis un gros con. Hein. J'ai fait oublier des jeux hyper importants là. Donc j'avais aussi deux Castlevania. Donc j'avais Castlevania Harmony of Dissonance et Castlevania Aria Sorrow. Ah non, je dis de la merde. J'avais que Harmony of Dissonance en fait. Quoique. Putain, je me rappelle plus en fait. Et voilà, bon. Que j'ai adoré. Mais c'est moi aussi mes premiers Castlevania. Voilà. Et là, on revient au mausolée où on avait vu les enfants. Donc oui, voilà. Je crois que j'ai pas oublié beaucoup de jeux. Oh, putain, mais Advance Wars, j'oublie tout là. Oh. Donc j'avais aussi Advance Wars 2. Le 1, bah j'y ai pas joué en fait. Bon, le 2 était mieux donc voilà. Et j'y ai joué des heures et des heures. Je crois que la GBA c'est une des consoles que j'ai le plus joué quoi. Putain, ça sert à quoi ça? Ah, rien. Alors je sais plus trop par où il faut aller. Je vais tenter par là. De toute façon là vous allez voir c'est très court comparé, ouais c'est par là. Ah non merde c'est pas par là. En fait vous voyez, bon là bien sûr faut utiliser vision. Le truc c'est qu'il faut venir d'en bas, sinon on peut pas. Donc oui, alors autant la tour de Tundra c'est assez long. Là une encolle peut-être un peu moins. Là c'est très rapide hein, vous allez le voir. On va y être dans pas longtemps au truc. On a juste à placer l'alarme divine qu'on a obtenue au temps sur le truc et on a la dernière bande. Et après en route pour Lemuria. Putain mais ils sont hyper calmes aussi. Ah mais je suis con là au début du jeu aussi. Putain il m'a enlevé 3 PV, vas-y. 287. Alors. Donc ouais j'ai j'avais un pote qui avait la DS. Là c'était la grande tendance, hein, tout le monde avait une DS. Enfin, actuellement aussi. Tout le monde a encore une DS. Et oui là je vais un petit peu partout au pif là. C'est pas par là, ouais c'est par là. Vu qu'il y a des flaques d'eau, j'y étais jamais allé, donc c'est forcément par là.
faire les combats inutiles, putain. Donc. Donc oui, bah j'ai un peu de cavadesse, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je l'ai regretté deux années, hein, après l'avoir fait. Parce que bon, j'ai acheté la toute première DS. Et pour l'acheter, parce que j'avais pas l'argent, j'ai revendu ma GBA. Absolument tous mes jeux. Tous. Il y a seuls les jeux, deux jeux que j'ai pas vendus. En fait, c'était les deux Zelda, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, j'ai jamais vendu. Hein. Putain, ça va pas les décors ici quand même. Je sais pas s'il faut faire ça. Ouais, donc ouais, bah j'ai tout vendu, hein, tous mes jeux. Hormis les deux jeux de Game Boy Color qui me restent encore. Pour pouvoir acheter la DS. Et comme la DS avait baissé, mais je le savais pas d'ailleurs. Le prix avait baissé, il est passé de 150€ à 130€ je crois. Donc du coup il me reste un peu d'argent et c'est là que j'ai acheté Castlevania de 9€. Qui est la suite de Harry of Sorrow de Red Bull, que vous pouvez aller voir sur son compte daily. Ah d'accord, ça a juste remonté, ouais, bon. Je sais pas s'il y a des objets importants, hein, donc j'espère que j'ai pas loupé des gros trucs quand même. J'y retournerai tout à l'heure en fait. Bizarre quand même, pourquoi il y a une sortie dans le... un truc pour tourner en bas là. Donc je suis un petit peu paumé quand même. Ça va quoi ça? Ouais. Ah rien ouais. C'est juste pour le fun en fait ici. Ah non. Ah bah ça servait à passer. Je comprends rien, c'est pas grave. Et là, on place... Ouais, ils disent que la statue ressemble au sanctuaire de Daïla. C'est normal, c'est la même. Là, j'utilise l'arme divine et là, l'eau remonte. Marée haute. Donc oui, bah voilà, j'ai acheté Castlevania. Après, bon, j'avais acheté pas mal de trucs hein, sur DS. J'ai acheté Mario Luigi Partner in Time, donc Mario Luigi 2, qui est pas la suite puisque ils sont indépendants, mais bon, c'est le 2 quand même. De Mario & Luigi Superstar Saga sur Game Boy Advance que je n'avais pas joué. Il y avait aussi, je crois qu'il y en avait un, il y avait un Mario et Luigi RPG sur Super NES aussi. Ah, et voilà, la 3D. Merde, la 3. Putain, mais oh! Putain, mais marche donc là. La 3ème dent, voilà. Et on a toutes les dents. On a les 3 dents. Ça c'est bon. Je vais quand même aller voir si par hasard il n'y aurait pas des coffres que j'oublie, un truc comme ça. T'en fais rien à droite, non. Donc oui, je disais. Donc ouais, j'ai acheté quoi? J'ai acheté Mario, machin. Alors j'ai acheté bien sûr. Advance Wars Dual Strike, puisque vu que j'avais adoré le 2, hein, j'avais joué des heures. J'ai aussi joué à celui-là. Qui était vraiment sympa. Au début, je me suis dit, bon, je vois pas ce qu'on pourrait rajouter à Advance Wars, mais il y a des modes sympas. Les trucs des médailles, j'ai bien aimé. Enfin bon, là je parle un peu dans le vent, parce que si vous connaissez pas, vous devez rien comprendre à ce que je dis. Et après ça. Il y a quand même pas mal de jeux, mais j'ai complètement oublié. Ah ouais, Animal Crossing, mais bon. Bof. Ça va vite saouler, hein, Animal Crossing. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment, mais moi non. Bof. Non, je n'ai pas acheté Nintendogs. En plus, quand je suis arrivé, bah, c'était la sortie de Nintendogs quand j'ai acheté ADS. J'achète l'ADS, le gars me dit, il y a un petit Nintendogs avec. Je dis, non, Castlevania. Il me dit, ouais, bon, Castlevania, si tu veux. L'air de dire, c'est de la merde. Désolé, on joue pas dans la même catégorie là entre Nintendogs et Castlevania, faut pas déconner quand même.
Il y a vraiment des cons. Bon, il y a quoi d'autre? Je sais plus. Enfin, j'ai acheté pas mal de jeux DS, mais je me rappelle plus du tout. Ah si, nous Super Mario Bassa. Franchement, c'est un des... Ouais, on peut dire ça. C'est un des meilleurs Mario quand même. Enfin, un de mes préférés. Donc en fait, je crois que c'est un remake du premier Super Mario Bros. Qui est très très sympa. Hein. Hop. Ah voilà. C'est ça que je voulais. Tac. Alors à quoi ça sert hein? Ah non, ça sert à que dalle de faire ça. Puis après, bah, j'ai revendu tous mes jeux de DS. Alors je ne sais plus du tout pourquoi. Alors j'en sais rien du tout. Ne me posez pas la question, je le sais pas moi-même. Ah, je suis con, on peut passer par là. Non. Si. Alors j'espère que c'est un bon objet parce que j'ai perdu du temps, sinon pour rien. Ah, barouillé, ouais, c'est important. Ça, c'est un truc à forger. Ah, putain, j'ai l'inventaire plein là. Et donc, je vais fuir. Et on retourne maintenant à Champa, voir la grand-mère de Briggs, pour se faire forger le trident. Non, c'était pas une métaphore. Voilà. Donc, on y retourne. Je vais faire du ménage dans l'inventaire là, parce que. Oulala. C'est trop plein. Alors, le pain déjà. Le maximum de PV, on le donne à qui? Donc, quand c'est qu'il y a autant de PV hein. Alors, ah ouais, c'est sa robe machin. Bon, elle est pas belle. Parce que lui, il fera partie de mon équipe finale. Elle fera pas partie de mon équipe finale. Elle peut-être, je sais pas, j'évite entre elle et Yvan. Et lui, non. Vous verrez mon équipe finale. De toute façon, maintenant, vous avez bien compris hein, que... Donc, qu'il y aura le groupe de Vlad avec nous. Ah, la belle pierre. Oh merde, j'ai oublié ça. Donc ça, ouais, faut l'échanger avec d'autres animaux, en fait. Hein. Je l'ai pas encore fait. Un licorne. Oh, y'a rien à foutre de l'unicorne. On va... ouais. Et bec de corbin non plus. Voilà. Donc en général, les reliques des marchands, je les achèterai pas. Hein. Je vous le dis. Puisque on trouve mieux... On trouve toujours mieux et très rapidement dans Galenzen 2, il y en a beaucoup plus que dans le 1 d'ailleurs, donc vous verrez qu'on en trouve très... Donc il faut retourner à Champa, voilà. Champa, j'adore ce nom. Un peu spécial comme nom. Et donc ouais, bah après j'ai revendu tous mes jeux de DS, mais j'ai aucune idée de pourquoi j'avais fait ça. J'avais pas besoin de fric, hein, mais... Bah, je pense que quand je les avais finis, allez, je les revendais, et puis... à la fin, bah, j'ai tout revendu. Et après j'avais plus qu'une DS sans jeu pendant au moins 2 ans. Ouais, ça fait au moins 2 ans hein, que j'ai gardé une DS sans jeu, ouais. Ouais, en fait je me faisais prêter les jeux des autres. Le mec qui profite pas trop quoi. Mais c'est une bonne méthode. Hein. Puis finalement, bon j'ai fait un truc, je vais vous le dire, ça fait quelques mois quand même. Bah après j'ai acheté une R4. Hein. Bon, ne me posez pas de questions là-dessus, je répondrai pas. Et puis les jeux je les télécharge, voilà. Je m'en fous, j'ai pas honte de le dire. Je suis sûr, de toute façon, les trois quarts des gens qui disent « Oh, ils téléchargent, machin », ils font pareil, donc voilà. Puis ouais, j'ai téléchargé les jeux, puisque je me suis dit, voilà, marre de payer pour de la merde, durée de vie de 3 heures, là. La société, c'est que de la merde, machin. Après, j'ai fait du rap. La société m'a rejeté. Je me suis enfermé dans une caverne pendant 15 ans, sans me raser ni rien, donc après bah, tout le monde a cru que j'étais un Yeti, et puis alors pour me rattraper j'ai fait des vidéos, et voilà pourquoi je suis là. Je déconne, hein, je vais pas croire ces conneries quand même. Alors, elle on s'en fout. Donc comment je fais pour me perdre ici moi? J'ai quand même un boulet. Alors ouais c'est par là. La dernière fois que je suis venu là en fait je sais même plus comment j'avais fait pour trouver l'endroit. Ah bah oui, il y avait des gens qui tremblaient là, c'est vrai. Je me repérais aux flaques de pisse, hein. Pardon. Alors, on va monter. C'est tout en haut, hein, normalement. Ouais, c'est par là. Bon.
Et là voilà. Et là on va lui passer deux autres morceaux. Poing. Ouais. Clac. Et pof. Voilà. Putain, elle est passée hyper vite cette vidéo là, j'ai carrément rien foutu, chaumont. Ok. Et là, elle met les trois fragments. Donc c'est pas elle qui forge les armes, hein, je vous le dis. C'est dans un autre village. Reculez parce que là, ça va faire mal. Et là, on se dit merde, comment on le récupère, fait chier. Et hop. Quand on voit rien, on fait la vision. Et. C'est énorme, dès que ça enlève le truc, ça nous remet au début. Voilà. Aucun monstre ne pourra te défier à présent. Donc justement, bah, c'était gardé par un monstre lumière et maintenant on peut le vaincre grâce au trident. Donc il suffit pas de faire aller un petit coup de trident, il est mort. Hein. Parce que déjà le trident c'est un objet à utiliser, c'est pas une arme. En fait vous allez voir, on va rencontrer un boss à la fin. Bah, je crois que j'avais déjà expliqué au moins 10 fois, c'est pas grave, je répète. Pour ceux qui ont oublié. Et on va dire un monstre à la fin, juste devant Lumuria. Toutes nos attaques ne lui font rien, toutes. Ça, à chaque fois qu'on lui fait, ça met un champ de force, protège machin. Et bah, grâce au trident, on détruit le champ de force, donc on peut le vaincre. Mais c'est pas de la tarte quand même, hein. Il est assez puissant si je me souviens bien. On verra ça à la prochaine vidéo de toute façon. Et là, bah, tant que je suis là, je vais faire un petit truc. Parce que la belle pierre que j'avais eue en sauvant les pingouins, alors je sais pas si j'aurai le temps. Il faut aller au Mont Gaïa là, vite, ah, c'est là. Donc la belle pierre que j'avais eue, vous rappelez, en sauvant la pinguline là. Il faut que je l'échange au Mont Gaïa à un oiseau. Donc ça va faire de quelques minutes. Dans quelques minutes c'est assez gros dans une vidéo puisqu'elle prend que 20 minutes. Bon, c'est vrai qu'il s'est pas passé grand chose, j'ai juste fait le dernier morceau de trident, je suis revenu, j'ai forgé le trident. Ouais. Pourtant je suis pas allé si lentement que ça. Mais... J'ai peut-être perdu du temps en... Oh, comment ? On a recherché la barre de fer rouillée là. Voilà. Et on arrive à Champa. Je raconte n'importe quoi. On arrive au Mont Gaïa, pardon. On peut passer entre les trucs là. Donc là, je sais plus du tout où il est hein, dans le Mont Gaïa, l'oiseau. Mais il y est. Je suis sûr qu'il est là. Alors, je sais plus où il est, c'est ça qui est chiant quoi. J'espère que je vais le retrouver rapidement. Bah écoutez, bah, de toute façon, si je le trouve pas tout de suite là. Je monterai directement vers lui pour la prochaine vidéo. Hein. Enfin, je vais faire comme ça en fait. On se retrouve devant l'oiseau à la prochaine vidéo en fait. Juste après un petit combat contre un golem de chair et une vergouille. Je crois que je l'ai déjà dit, mais eux c'est les ennemis de la fin du 1 en fait. Donc, vous voyez que là on a déjà dépassé le niveau de la fin du 1. Quoi. Voilà. Donc voilà, bah, on se retrouve à la prochaine vidéo devant l'oiseau. Je vais pas continuer la quête des échanges juste après. Après, je dirai directement à Lumuria. Donc, prochaine étape, Lumuria. Allez, salut. Et mangez ce que vous voulez, on s'en fout.